habitué de bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo qui va être assez longue parce que nous allons fabriquer, comme vous l'avez vu dans le titre, une box Naruto avec 16 objets dedans, le tout réalisé à la main, sauf les figurines qu'il y a dedans bien évidemment. Petite box qui se présente sous cette forme et qui sera à gagner, hélas pas pour vous, mais pour un enfant à l'anniversaire de ma fille dans quelques mois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Ça a quand même été une construction assez longue à faire qui a duré sur plusieurs jours. J'en suis pas peu fier, même si j'aurais aimé en mettre encore plus dedans, mais voilà, avec ma fille j'ai pas trop le temps. Mais quoi qu'il en soit, je suis bien content de revenir avec cette vidéo qui s'imposera. Voilà, bonne vidéo à tous. Tiens, on va faire des petits sondages tout le long de cette vidéo. Par exemple, quel est votre ninja préféré dans Naruto? Moi, je pense que ça restera Orochimaru. Vraiment, j'ai surkiffé ce personnage. J'ai vraiment été très déçu de ce qu'ils en ont fait. Et j'ai aussi un petit amour pour Madara. Madara Uchiwa, voilà, je le trouve super classe aussi. We'll be right back.
personnage féminin préféré, je dirais que c'est Hinata. On peut pas vraiment dire que j'ai de personnage préféré, mais je l'aime bien. J'aime bien son côté courageuse malgré le fait que ce soit pas la meilleure. Et je la trouve hyper bonass. J'en ai pas la moindre idée. Je serais tenté de dire que j'aime bien Kakashi, hein. Le fait de pouvoir copier tout et n'importe quoi, c'est quand même super cool. Et le fait de pouvoir emmener des gens dans un autre monde juste avec son œil, c'est pas mal. C'est pas mal. Sinon j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle, mais les flammes noires là qui s'arrêtent jamais de brûler. Je trouve ça sympa. Tu regardes les gens comme ça et tu les crames, je trouve ça assez cool. Même s'il y a beaucoup d'autres attaques beaucoup plus impressionnantes dans Naruto, hein, mais ouais, ces deux-là j'aime bien. Le personnage de l'Akatsuki préféré, c'était Pain. J'aimais beaucoup Pain. Le fait que ce soit un petit gars tout malade qui gère tous les autres personnages là comme ça et tout. Et même le nom Pain, je sais pas pourquoi j'aime bien. Voilà. Ouais, je vais pas dire Itachi comme tout le monde, parce que on le sait qu'il est classe, on le sait. Thank you.
Mon manga préféré, alors c'est pas Naruto, même s'il est dans mon top 3, mais en fait Naruto m'a donné envie de regarder des mangas. C'est con à dire, mais c'est un petit côté où ça a changé ma vision des choses sur le monde, un petit peu. Et ouais, hein, des fois les animes, ça peut être impressionnant si l'histoire est bien classe. Mon anime préféré, ça reste Full Metal Alchemist, parce que c'est le tout premier que j'ai vu du début à la fin en fait. Donc ça reste celui-là. Mais Naruto quand même. À la vie, à la mort, ma gueule. En ce moment, je regarde Berserk. Là, je viens de finir l'attaque des titans. Je suis un peu déçu de la fin d'ailleurs. Et là, ouais, je regarde Berserk. La saison 2, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il n'y a pas énormément de saisons. D'ailleurs, je pense que dans peu de temps, on fera des DIY spécial Berserk. Parce que j'aime bien l'univers médiéval comme ça, un petit peu. Enfin, médiéval, c'est chelou comme univers, on le sait tous, mais j'aime bien. Je pense d'ailleurs que je vais faire sa putain d'épée en bois un jour, quand j'aurai les planches adéquates.
Voilà, ça finit. Allez, pendant que je travaille, j'ai une petite... Une petite ouvrière, là, tranquillement, avec moi. Qui est en train d'enlever tous les bouchons de mes feutres. Mmh. Et ce qui est génial, c'est que c'est des feutres à bouchons numérotés. Du coup, bah, je vais galérer pour tous les remettre. Papa, là. Ouais, tu vas tout me mélanger. Papa, il pleure intérieurement, là. Oh là là, le carnage que tu es en train de me faire. Conseiller des animés pour les gens qui n'ont jamais vu, moi je dirais tous les Miyazaki parce qu'il n'y en a pas un seul qui a acheté, c'est des chefs-d'œuvre à chaque fois. Et si, même si t'aimes pas les animes, les mangas, etc., c'est vraiment tout public. D'ailleurs, moi ma fille a bientôt 3 ans, là j'attends encore quelques temps et elle va tous se les faire hein, parce que je trouve ça génial. Et mon préféré dedans, bien qu'il soit un peu étrange, je crois que ça restera à jamais le voyage de Chihiro. Je sais pas pourquoi il m'a marqué celui-là, j'ai vraiment adoré. Et bien évidemment, celui qui m'a le plus ému, bah, je dirais le tombeau des Lucioles, hein, quand même. J'étais jeune en plus quand je l'ai vu, donc c'était bien glauque. Voilà, mais tous les Miyazaki, hein, ils sont tous géniaux. We'll be right back.
Et voilà, messieurs, dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai bien... C'est pas vrai, là. J'ai bien aimé l'affaire, sans déconner, ça a été vraiment plaisant. Même s'il y a des petits trucs que je regrette un peu, que j'ai un peu loupé, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça fait longtemps que j'avais pas fait vraiment de DIY à proprement dit. Là, j'étais vraiment basé sur l'autre chaîne, du coup, bien content de rouvrir les portes de, pardon, de l'atelier. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes fan de Naruto, restez à l'affût parce que le thème de l'anniversaire de ma fille et de mon neveu, c'est Naruto. Et donc, il va y avoir encore pas mal de constructions dans les jours à venir. Là, voilà, encore une fois, le tout au moindre coût et avec des objets qu'on peut récupérer chez nous. Donc voilà, j'espère que la suite vous plaira aussi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que moi, je la kiffe, sans déconner. Je vais même presque avoir du mal à m'en séparer de cette petite boîte parce que je la trouve vraiment sympa. Voilà, alors en off, je pense que je vais rajouter encore des petites décorations dans la boîte parce que même si le petit côté QB est sympa, voilà, il manque quand même un petit peu de déco. Et peut-être ajouter un kunai ou deux version plate à l'intérieur. Voilà, c'est à peu près tout ce que je ferai sans filmer. De toute façon, si vous voulez voir les vidéos, enfin les photos de tous les trucs que je crée, il y a la page Instagram sur laquelle je poste beaucoup de photos des créations. Vous pouvez voir parfois plus terminé que sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain. Voilà, sur ces bonnes paroles, et ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. On ne lâche rien, on s'approche vraiment des 10 000 abonnés. Hein. Je vous rappelle que moi j'ai commencé YouTube en même temps que le jour du grenier, donc voilà, les 10 000, je les attends avec impatience. Et on lâche rien de toute façon. Allez, je vous fais des big bisous. Bye bye.